Alors bonjour à tous et à toutes, donc merci de nous rejoindre à nouveau aujourd'hui sur la chaîne YouTube du COP 79. Donc aujourd'hui nous sommes à Pessac donc en Aquitaine à côté de Bordeaux. Alors il y a un peu de bruit en ce moment, c'est qu'il y a un match de junior, donc ce qui explique tous les cris un peu qu'il y a derrière moi. Pour présenter un peu l'équipe de Pessac, donc c'est une des grosses écuries de la poule avec Lège Cap Ferré. Pessac se situe à la deuxième place, ex aequo avec nous à 18 points. Donc on s'attend à un match très très dur aujourd'hui, en sachant que c'est quand même vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, une des équipes favoris de la poule. On va essayer de faire un gros match aujourd'hui. Les gars se sont dépassés pour l'instant donc à l'entraînement, en espérant de voir beaucoup de jeux. Mais il va falloir être fort et très fort aujourd'hui pour pouvoir opposer une belle résistance à cette équipe de Pessac, qui nous a réservé un accueil très très sympa, et ainsi qu'à toute l'équipe technique. Donc nous remercions énormément le club de Pessac pour leur gentillesse et leur très bon accueil en ce dimanche dans les coins de Bordeaux. Je vais vous laisser un tout petit peu, moi on va essayer de vous filmer un peu l'échauffement des joueurs, en sachant que comme il y a le match des juniors de Pessac un peu en ce moment, ça va être un peu compliqué, mais on va essayer de vous montrer tout ça tranquillement, et je vous retrouve tout à l'heure pour le match qui va commencer d'ici une petite demi-heure je dirais. Il y aura peut-être un tout petit peu de retard, mais on sera à peu près dans les temps. Ben, je vous dis à tout à l'heure, et je vous remercie encore à nouveau d'être avec nous aujourd'hui pour ce match du COB à l'extérieur, et tous derrière le COB, allez le COB, et très bon match. À tout à l'heure. Sur le terrain. Six sous en tête. Très bel et d'honneur des juniors de Pessac. Ça sent bien le rugby. Et début de jeu, engagement pour Pessac. Balle récupérée par Sissou. Armand à la mêlée. Ballon pour Bébène. Ah, pas très bonne passe d'Armand là, donc qui a mis un peu en difficulté Bébène. Mais le jeu continue pour nous. Sissou pour Armand.
Armand bien arrêté. Beben qui tape. Belle montée. Ballon récupéré par Pessac. Ça part sur le grand côté. Bien pris. On essaye de le bloquer en haut, mais on va pas y arriver. Il faut qu'on lâche maintenant. Chandelle. Bel arrêt de volée de Barnick. Donc on va pouvoir se dégager un peu après cette première action de Pessac. Barnick en touche. Alors, pendant ce petit arrêt, j'aimerais souhaiter bon anniversaire à Laurence, la maman de Sissou et de Pierrick, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Donc, touche pour Pessac, sur la ligne des 22 à peu près. Ballon gagné par Pessac. Ça avance. Bon plaquage d'Armand. Encore vers le grand côté. Montée. Et en avant, il y a en avant. Mais introduction bressuire pour cet en avant des blancs de Pessac. L'introduction sera pour la miche. Alors pour faire comme les vieux, pour parler un peu du temps, il fait bon. Il fait bon à jouer au rugby. Terrain qui est un peu gras, mais il fait très très bon pour jouer au rugby. Hop, ballon sorti. Pas encore. Armand pour Beben. Beben qui essaye de dégager un peu, de donner un peu d'air. Ballon tapé. On va récupérer tranquillement. Boubouche. Boubouche, Sissou maintenant. Ça avance. Pour Antoine. Alors. Beben pour Keke. Il y a un en avant d'un joueur de Pessac. Ce sera une nouvelle mêlée pour Bressuire. Nouvelle mêlée pour Bressuire, donc avec introduction pour Armand. Ah là 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 là. Bras cassé, ballon en faveur de Pessac. C'est dommage de perdre des ballons bêtement comme ça. Attention, ça écarte encore. Ah ouais. C'est dommage, là on s'est mis en danger tout seul. Une mêlée, ballon récupéré par les joueurs de Pessac qui vont marquer en coin. C'est dommage. Tentative de transformation pour Pessac.
en coin à droite. Ça passera pas. Donc le score est de 5-0 pour Pessac. Non, c'est dommage, on l'a subi un peu dans ce début de match. C'est dommage de prendre un essai bêtement comme ça sur un ballon mal introduit. Donc ce qui justifie le bras cassé de l'arbitre. Mais bon, c'est dommage. Hein. On se crée des problèmes tout seul. C'est reparti. Bien pris. On est dans les 22 de Pessac. Ça repart petit. Bien pris encore. Hop. Ça écarte. Sur l'aile. Au retour. Oh là 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 là. Ouais. Donc ça joue, il y a un avantage en cours pour un en avant d'un des joueurs de Bressuire. Ça repart sur le grand côté. Ballon toujours pour Pessac. Oh, hop, faut le faire tomber. Il est pris en haut pour l'instant. Non, le ballon est en bas. Il y a toujours un avantage pour une position d'hors-jeu. Donc l'arbitre revient à la faute. Position d'hors-jeu des joueurs de Bressuire. Donc il y aura une pénalité à droite sur la ligne des 40. Les joueurs de Pessac décident de taper en touche pour essayer de revenir dans nos 22 mètres. C'est ce qui est fait. Donc touche pour Pessac dans les 22 de Bressuire. Donc il y a encore un en avant de Bressuire. Pourtant j'avais l'impression qu'on avait écroulé le môle d'entrée, donc ça on a le droit, mais apparemment l'arbitre dit qu'on l'a fait écrouler un peu trop tard. Donc ça continue, l'avant-avant est toujours en cours. Ça part sur le grand côté. Ouais. En avant, donc on va revenir à la faute. Il semblait qu'il y avait un en avant hein, sur la première transmission. Donc voilà, il y a Sissou qui demande un peu d'explication à l'arbitre. Hein. Je pensais que moi aussi que Sissou avait écroulé. Dès le début, donc là dès le début on a le droit, c'est après une fois que le môle est bien en place, on n'a plus le droit d'écrouler un môle. Bon, c'est l'appréciation de l'arbitre. Et pénalité pour Pessac qui choisissent de prendre la mêlée. Et n'oubliez pas, une grande soirée mercredi soir, tous chez Tony à l'occasion de son anniversaire. Donc venez comme vous êtes, hein, n'hésitez pas surtout. Bon anniversaire Tony.
Donc mêlé dans les 22, introduction Pessac. Ballon est derrière et ça sort sur le grand côté. Beben est à AES, dommage, il était dessus, il l'a lâché. Ballon toujours pour Pessac. Ça sort. Bien pris encore, bien pris. Bien Armand, joli plaquage d'Armand. Ah, en avant, bien Bernic, bien Bernic. Bon retour d'Alex Bernico qui fait concéder l'en avant donc aux joueurs de Pessac. Donc ça sera une mêlée à 5. C'était un peu le feu là, il fallait vraiment la bonne intervention d'Aix pour nous éviter cet essai. On s'en sort bien. Bon, maintenant ce serait bien qu'on essaye de prendre un peu le jeu à notre compte parce que j'ai l'impression qu'on est en train d'user que d'un côté du terrain pour l'instant. Et malheureusement c'est le nôtre. Bras cassé. Bras cassé, ballon pour Bressuire. Touche trouvée par Beben. Le lancer sera pour Antoine. Ah non, excusez-moi, autant pour moi, c'était un bras cassé, donc le lancer sera pour Pessac, autant pour moi. Hop, une directe, ça part sur le grand côté, encore au niveau, une redoublée. Il est pris, encore dans le même sens. Bien joué. Donc là, pour vous expliquer la règle, l'arbitre considère qu'on était sur un maul, donc je n'ai pas entendu annoncer le maul. Le ballon ne sort pas, donc le ballon est récupéré par Bressuire. Allez, c'est important là qu'on arrive à bien négocier ce ballon pour qu'on sorte un peu de notre camp. Introduction pour Armand. Ballon gagné. La miche pour Beben. Hop, ça joue, ballon récupéré. On revient à l'en avant. Pour sur la récupération de ballon, il y avait un en avant d'un joueur de Bressuire et Pessac a commis un en avant après par la suite. Donc, mêlée à 15 mètres de l'embute à peu près hein, pour Pessac. Là, c'est dommage, il y avait de l'idée, mais. Au niveau de la réalisation, c'était pas trop ça. Il aurait fallu faire le ballon un peu plus en profondeur de la part de Beben. De manière à ce que le ballon tombe devant l'arrière et l'ailier, non pas derrière. Mais bon, faut bien essayer quelque chose.
Ça se met en position. Introduction Pessac, toujours dans les 22 de Bressuire. Ça va sortir sur le grand côté. Ah, en avant, en avant, en avant, en avant. Donc il y a un peu des erreurs de main de chaque côté. Mêlé pour Bressuire, introduction à la miche. Allez, il faut vraiment sortir de là maintenant. Là. Ballon gagné. Et tapé par Bébène. Voilà, ça s'est pris. Valentin après par la suite. Le ballon n'est pas lâché. Voilà. Ballon pas lâché. Et récupéré par Bressuire. On va peut-être réussir à sortir un peu de notre camp. Ça, ça me fait bizarre. J'ai l'impression que c'est la première fois que je me tourne vers la gauche. Donc... fait rire des gens de Pessac à côté, mais c'est vrai. Hein. Donc pénalité pour Bressuire. Ballon pour Bébène. Belle touche trouvée par Bébène. On est dans les 22 de Pessac. Allez, belle réaction, ce serait bien là. Lancé pour Antoine. Ballon gagné, difficilement, mais ballon gagné quand même. Sissou qui va partir avec son frère au cul. Voilà, ballon. En avant, c'est dommage, c'est presque un en avant volontaire. En face des poteaux. Mêlée pour Bressuire. Ce sera juste une mêlée. On a subi ce début de match, mais c'est quand même pas un début de match trop dégueulasse. On savait que ça allait être dur. Ce serait bien d'essayer de bonifier ces petites phases de jeu qui est à notre avantage. Départ, Barnick, ça avance, il n'y a rien, essai pour Bressuire. Essai pour Bressuire d'Armand. Bien les gars, très très bien. Alors j'ai pas trop vu parce que je suis complètement à l'opposé. Je pense que Bernic fait la passe en arrière et ça rebondit sur un joueur de Pessac. Ballon vers l'avant, récupéré par Armand et c'est pour Bressuire. Kieran me dit que c'est ça. Bon. Donc 5 partout pour l'instant et Bébène va tenter de passer la transformation.
C'est parti. Ça passe juste à côté, c'est dommage. Donc 5 partout entre Pessac et le Cob. Allez, on récupère le ballon et c'est reparti les gars. C'est bien. À la réception, Victor, le ballon est vers l'arrière, donc ça continue, ballon toujours pour Bressuire, la miche avec Kéké qui part sur le petit côté, ça sort pas trop, c'est parti encore, pénalité pour Bressuire, c'est bien les gars, allez on renvoie le jeu chez eux, tranquillement, donc l'arbitre signale un hors-jeu. Beben, belle touche, c'est bien Beben. On est à peu près à la hauteur de la ligne médiane. Ah, premier emplacement pour Pessac. Le 21 rentre. À la place du second centre, le numéro 13. Lancé pour Antoine. Ah là là, on l'a récupéré, je pense, tout va bien. Mais alors on vient de se le faire arracher le ballon, je pense. Il y aura une mêlée pour Pessac. Dommage, hein. Ces deux touches que nous avons là, où on cafouille un tout petit peu. On s'en est bien sorti sur la première touche. Ceci, on s'en est presque sorti, mais bon. Le ballon était difficile à capter pour Sissou. Donc mêlé pour Pessac. Partie du 8. Ça joue encore, ça écarte, attention. Oh là là, encore un ballon tombé. On s'en sort bien. On s'en sort bien avec ce ballon tombé là parce que depuis le début c'est chaud. Moi ça me rend heureux mais l'autre côté à Pessac ça les rend pas heureux du tout. Oh, heureusement il y a le tunnel entre eux et moi mais c'est pas plus mal. Là le 8 est parti de la mêlée et on a mis un peu de temps à le prendre et il y avait un gros surnombre. Hein. En bout de ligne pour les joueurs de Pessac. Donc ce petit en avant nous arrange bien. Parti, la miche, Beben, avec Armand. Ballon toujours pour Bressuire. Sissou maintenant qui part, aura. Ballon pour la miche. Sur pâté. Encore sur le même côté. Armand encore à nouveau. On est bien. Pénalité pour Bressuire. Et ça joue vite par la miche qui s'est fait attraper le coup, mais pas méchamment. Donc Armand n'a pas trop dû jouer à l'endroit exact de la faute. Donc on revient à la pénalité initiale. Beben va essayer de trouver une touche à nouveau. À l'occasion de cette touche, j'aimerais féliciter Fred Loué et Alexandre Dos Santos, ainsi que leur compagne, bien sûr, pour les nouvelles naissances qui sont arrivées, de futurs... rugbyman ou rugbywoman, c'est comme on veut. Donc bienvenue à Théo et à Marley. Lancé pour Bressuire, Antoine. Allez, on va essayer d'avoir un bon ballon sur cette touche. Ah,
ça va, récupéré par la miche, ça avance, toujours un peu de problème en touche encore, c'est dommage. Toujours ces ballons qu'on a bien en touche et ça joue, bien arrêté, encore, voilà, ballon récupéré, encore un en avant à nouveau, belle récupération de Beben, ça joue, Ménissé. Attention, ballon toujours pour Bressuire. Lamiche, Sissou, ça avance encore. Ça sort pas devant, ça sort pas encore là. Putain. Kéké, arrêté. Ballon toujours pour Bressuire. Tête pour Arthur. Arthur, belle récupération. Il y a du monde derrière, faut pousser, là, faut résister. Eh oui, faut résister, là. Ah là là là. On vient de récupérer le ballon à nouveau, là. C'est un peu le bazar, il y a des petits tas partout. Hop, c'est parti, le ballon pour Armand dans nos 22. On conserve encore le ballon là. Soutien sans bien. Ça part, la miche sur le côté. Le soutien est là. Ça se dégage, ça le donne un tout petit peu d'air. Un petit peu d'occupation de terrain, ça laisse sortir. Alors il y a eu un remplacement, Sissou a pris un petit coup et c'est Xavier Pinault qui vient de rentrer. Donc touche pour Bressuire dans nos 22. Lancé pour Antoine. Donc là c'est important de bien la réussir celle-ci. On a perdu beaucoup trop de ballons depuis le début du match sur nos touches. Là, belle prise. Victor. Ça s'organise en maul. Le ballon est derrière apparemment. On avance. Voilà. Beben qui voudrait trouver la touche. Qui n'a pas trouvé la touche, c'est dommage. Bien pris, ça repart sur le grand côté. Bien rattrapé, attention, encore un ballon échappé. Donc ça joue encore, on défend, on a essayé d'arracher le ballon, on n'y est pas arrivé. Encore en avant. J'ose même plus regarder les gens de Pessac, je vais me tourner dans l'autre sens. Encore en avant, on s'en sort encore bien. On défend, on a le mérite de défendre. Mais c'est aussi la présence des joueurs de Bressuire qui oblige les joueurs de Pessac à faire des fautes. Alors Tony, pour répondre à ta question, c'est la déléguée.
Donc, alors, je crois que ça doit être Valentin. Valentin Minissé qui est au sol. Alex est à ses côtés pour lui apporter quelques soins. Ah non, peut-être pas. Non, c'est pas Valentin. Non, c'est peut-être Armand. Donc, entrée de Max. Max Proutot. Petit jeune. Juste 18 ans, Max. Sa première cape. Alors, là, je sais pas trop ce qui se passe. Il y a une conversation avec l'arbitre. Donc en fait, Armand est sorti sur protocole commotion. Donc c'est Max qui passe à la mêlée. Allez Max. Un peu, ça repart. Le ballon récupéré par Bressuire. Ballon gardé par le joueur de Pessac, donc le ballon pour Ben. Pour essayer de trouver une touche. Bien, bébé. Bien, bien. Touche pour Antoine. Lancé pas droit, touche pour Pessac sur la ligne des 15 mètres. On est à 40 mètres de l'embut de Bressuire. On s'affole pas. On s'affole pas, Victor. Allez, ça va aller. Allez, on se rapproche de la mi-temps là. Là, il faut être sérieux jusqu'à la fin de cette première mi-temps. Ça joue, ça pousse. Sortie petit côté.
bien pris. Ça joue. Alex, Malik. Ça pousse, c'est parti en maul. Pour le petit côté, le maul est toujours organisé. L'arbitre a signalé une faute pour Pessac. Et il revient à la faute. Donc on a écroulé le maul. Donc pénalité pour Pessac sur notre ligne des 22 mètres. Un nouveau changement pour Pessac. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont prendre la touche ou la pénalité? On attend donc les joueurs de Pessac choisissent de prendre la pénalité et vont essayer de rajouter 3 points à leur score. Les brigades du Tigre, vous faites quoi là? Oh, les brigades du Tigre, vous faites quoi? Vous allez vous mettre à jouer ou pas? Donc une pénalité à droite un peu excentrée. Ça part, ça passera pas. Donc renvoi en 22 pour l'équipe de Bressuire. Allez, allez, décale-toi, Pitou. Décale, décale, recule, recule. Ballon pour Kéké. Kéké qui avance. Bébène. C'est parti. On revient dans le 22. Antoine qui a prolongé. Prolongé, qui a plaqué. On est dans leur 22 là. Ça repart avec les gros. Le ballon est en haut, faut lâcher maintenant. De Pessac qui se dégage. Ballon. Ça joue, on est là. On est là, le ballon est conservé par les joueurs de Bressuire. Attention pour Bernic. Ah, c'est pas super. Ça passe. Heureusement, il est revenu vers le centre du terrain. C'est pas plus mal. Parce que je le voyais pas trop comme ça. Ça joue encore à l'extérieur. Là c'est passé. Ça devait arriver là. Là aussi, c'est con à dire parce que on se fout en difficulté tout seul. Là. Il y avait un ballon récupéré. Bon, il attend le rebond, d'accord, mais après. On aurait dû taper directement au-dessus. Bon bah c'est pas grave. C'est dommage de prendre cet essai juste avant la mi-temps. Oui,
Donc c'est la mi-temps qui est sifflée sur le score de 12 à 5 pour Pessac. Donc on prend cet essai un peu con à la dernière minute. Donc là il faudra repartir donc en seconde mi-temps. On a fait du bon boulot, hein. Donc on a eu un peu de réussite on va dire sur les en avant des joueurs de Pessac, mais on a fait du bon boulot. Donc maintenant il faut repartir avec pas mal de bonnes attentions pour cette seconde mi-temps. Donc il n'y a rien de fait pour l'instant, hein. Donc je vous répète le score. Donc nous sommes pour l'instant à 12 à 5 pour Pessac face au Cob. T'as plus rien sur ta batterie. T'as plus rien. Ouais, moi aussi j'ai plus une barre. C'était toi qui l'as soutenu, ce qu'il a dit. C'est toi qui l'as rattrapé. Il n'a pas dit que c'était toi. Hein. Ça, je le tiens peut-être, mais hein, rien de ouf. Parce que, là, en fait, ça signifie quoi? C'est-à-dire bah, il ne peut pas jouer la semaine prochaine. Il ne peut pas non jouer plus la semaine prochaine. Ah, ouais, mais protocole commotion, il ne peut pas jouer la semaine prochaine. Ah, je comprends qu'il soit dégoûté. Non, mais il l'a dit, il a mis son appelé au comité. Non, mais il n'a pas de problème.
contre, c'est moyen. Ouais, avec qui on s'est retrouvés tous les deux, ouais. Bizarrement, sous la douche. Allez, Max, allez, viens, Max. Continue, mon poulet. Encore, Max. Maintenant, hein, tu te couves. Oui, non, alors dans ces cas-là, il faut arrêter de faire du rugby. On fait du rugby touché, et puis c'est tout. Non, mais sérieux, Varnico, j'en ai plein le cul, moi. Sérieux. Je crois que les arbitres, ils sont jamais pris une tarte de leur vie, je crois. Pour savoir ce que c'est de vaciller un petit peu, qu'on a l'étoile dans les yeux. Ils connaissent pas. Arbitrer, c'est beau, jouer, c'est différent. Ça sert à rien. Ça me fait rigoler. Oui, je sais. Ils savent même pas ce que c'est de jouer. Parce que la plupart des arbitres, ils ont jamais joué au rugby de leur vie. Et puis, ils vont à l'arbitre. Ouais, on va avoir au moins des bons arbitres. Non, mais moi, ça m'est sorti. Il y a 15 jours, je prends un rouge pour rien. Alors, ça, c'est ma carte. Donc, moi, je m'occupe de toutes les caméras. Et ça, si j'ai des lives, c'est le camion de l'équipe derrière. Vous pouvez acheter un mec si vous voulez. C'est eux qui s'occupent. Mais oui, je fais une micro-finalité. Ouais, je me suis éclaté. Allez. Tiens, Bouchon, on peut prendre de l'eau là. Abandonne le poste, vous avez vu. Ça sera dit. Là-bas, Max, défend extérieur. L'autre côté, Max. Bien. Max, dès qu'il est introduit, tu viens pour pied de 8. Thank you.
Attention, là, le fermé, là, le micro. Ballon gagné par Bressuire. Keke qui transperce. Un relais avec Pitou. Et un ballon conservé avec Kiran. Toujours ballon pour Bressuire. Ça revient le ballon pour Barnik. Toujours ballon pour Bressuire. Pâté. Pâté qui prend un peu la pression. Ça sort pas. Ça sort pas vite. Ça sort pas vite. Faut le signaler là. Keke encore à nouveau qui avance. Pitou. Pitou, Armand maintenant. Il est dessous. L'arbitre. Voilà, pénalité pour Bressuire. Bien les gars. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien là. Belle phase de jeu. Et belle conservation de ballon pour l'instant. Beben pour la touche. Qui est trouvé sur la ligne des 40. Lancé pour Tom Tom qui a fait son entrée à la mi-temps. Ce sera une touche réduite. La ligne, Kyriad, la ligne. La ligne, Kyriad, non, recule vers la ligne. Oh là 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 là. Couche-toi dessus, Tom Tom. Ouais, bien, Tom Tom. Belle récupération de Tom Tom. Encore des petits soucis en touche. Armand qui repart au ras. Faut qu'il lâche. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Encore, encore, encore. Mais Ben qui a essayé pour la transmission. Ça repart sur le grand côté. Bien pris par Ben. Et un relais du 22. Bien arrêté. Ils ont bien avancé là. Et ça repart sur le grand côté. Voilà. Et c'est pour Pessac. Toujours ces problèmes de touche hein, qui nous foutent dans la merde. Ça me rappelle un peu le match de Ruffec où on n'arrivait pas à gagner ces ballons en touche. Et à chaque fois on se fout dans la merde. Et donc ça va vite en face, hein, malheureusement. Et donc ils ont bien exploité ce ballon, bien remonté ce ballon. Pour partir après ensuite sur le grand côté. Et, donc au travail du 8. Hein, qui revient, qui va vers l'extérieur, qui croise. Avec le sèche, je crois, qui va marquer entre les poteaux. Il n'y a rien à dire. Donc pour l'instant, nous sommes à 17-5 pour Pessac. Avec la transformation à suivre pour le 12. Elle est passée. Donc nous sommes maintenant à 19-5 pour Pessac. Il reste encore beaucoup de temps, hein. Donc il va falloir nous sortir un peu les doigts pour essayer de revenir dans ce match. À
Allez les gars. Là c'est pas mal. Ballon récupéré par Pessac. Ça part au ras. Recule, Arthur, recule. Arthur, recule. Recule, Tom Tom, recule, Tom Tom. Bien pris par Pathé. Là, ça déroule plutôt pas mal ici, là. On essaye de gratter le ballon, on n'y arrive pas. Ça, c'est bien pris par Victor. Xavier. Xavier, il faut faire tomber maintenant. Mignon, faut que tu sortes, ça va. Tirez pas par le maillot. Xavier, encore, encore, Xavier, par là. Non, il est pas bon. Ça joue, tac, plein centre. Il est doux, bien. Bien, bien Barnick, bien Barnick. Bien, bien les gars. Allez, encore, encore, encore. Il y a 10-5, hein. Il n'y a rien qui est perdu. Là, très beau geste hein, de Barnick, qui est bien resté sur ses appuis. Donc ça sera une touche pour Bressuire sur nos 40 mètres. Ah là 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 là, c'est touche, on n'y arrive pas. Hein. On n'y arrive pas à ces touches, hein. C'est incroyable, sans déconner, le nombre de ballons qu'on a pu perdre sur ces touches. C'est vraiment se foutre dans la merde tout seul. Ça part encore, essaye de se faire la valise. En avant, ballon récupéré par Bressuire. Faut vraiment qu'on essaye de s'appliquer. Hein. Par, sur les touches. On perd beaucoup, beaucoup trop de ballons sur les touches. Beaucoup trop de ballons perdus sur les touches. Ça, malheureusement, si on n'a pas de lancement de jeu, hein, si on n'a pas les ballons sur le lancement de jeu, on va pas y arriver. Alors, on met beaucoup d'envie, hein. Mais il faut vraiment qu'on essaye de s'appliquer hein, sur ces ballons. Donc là, il y a un en avant de Pessac qui aura donc mêlé pratiquement sous nos poteaux, hein, à 10 mètres. De nos poteaux, introduction Bressuire. Mêlée, introduction Max. Le ballon est gagné. Max pour Beben. Et en avant sur la réception, sur le plaquage. Donc ballon pour Bressuire, introduction Max. Beben a essayé de jouer un petit coup de pied par-dessus à l'attention de Barnick. Allez, on
se met en place, les gars. Voilà, donc là faut reculer, c'est à l'appréciation de l'arbitre, hein. Il est mieux placé que nous pour ça. C'est parti, bien pris par Xavier. Ouh, Kéké, Kéké, mais a pris encore. Barnick encore bien plaqué. Ça plaque, hein. Ça plaque. On est bien sur nos appuis là. On a gagné le ballon, bien les gars. Je suis d'accord avec toi, Tony, sur les touches. C'est ce que vient de leur dire Choco, hein, de rester simple. Je pense que c'est plus nous qui sommes maladroits sur les touches, qu'ils nous emmerdent pas du tout en touche en fait. Hein. C'est qu'on est maladroit. Ça sert à rien de faire 45 000 combinaisons. Ils ont qu'à faire des directs directement. Et ce serait plus simple, on aurait peut-être plus de ballons. Donc le point positif, c'est qu'on plaque bien. Hein. On plaque bien, on est loin d'être ridicule. Ça joue. Il y a Boubouche qui retourne courir un tout petit peu. Donc mêlée pour Bressuire. Introduction à nouveau pour Max. Ballon gagné. Max pour Beben. Beben Kéké. Kéké Bernic. Donc là, faut qu'il. Non, faut qu'il lâche, bordel. Ah non, il est à genoux au sol. Putain. Donc l'arbitre considère qu'il y a un moule. Donc il va donner, il estime que le ballon n'a pas été sorti par les joueurs de Bressuire. Donc il y aura mêlée pour Pessac. Là aussi, c'est encore une interprétation. Pour moi, j'estime que le plaqueur n'a pas lâché le plaqué. Il avait deux genoux au sol. Bon, un truc comme ça. Ça sort en 89, retour à l'intérieur. C'est pris. Bien pris par Victor. En avant. Non, il l'a pas signalé. Ouf, il y a eu un stop. Pour moi, il y avait un petit en avance sur la place. Et c'est pour Pessac. Et c'est pour Pessac. Bon les gars, allez, maintenant il faut aller rester solidaire pour sortir de ce match. Hein. On savait que ça allait être dur. Des matchs comme ça qu'on apprend. Hein.
Je sais pas ce que ça rend hein, donc sur vos écrans, mais ici on est loin d'être ridicule. Hein. Donc le score est là, mais on est vraiment très très loin d'être ridicule. Il y a du plaquage, on essaye de proposer des choses. Malheureusement, on gâche un peu tous nos lancements, mais on propose des belles choses quand même. Hein. Tentative de transformation à nouveau. Alors je sais pas si vous avez vu quelqu'un lever le drapeau ou pas. Donc au niveau du score, je sais pas si la transformation est passée, j'ai pas vu les drapeaux se lever. Donc soit ça fait 24-5 si la transformation n'est pas passée. Si elle est passée, nous sommes à 26-5 pour Pessac. Donc il y a un en avant de Kirikou qui a essayé d'attraper le ballon, mais c'était vraiment compliqué pour eux. Donc apparemment la transformation est passée. Donc 26-5 pour Pessac. Un peu de rotation du côté de Pessac. Donc je disais oui, en avant sur la tentative de récupération de ballon de Kirikou, mais le ballon était pas facile à prendre. Choco envoie quelques gars à l'échauffement, en l'occurrence Valentin et Paul. Et Boubouche va rentrer très bientôt sur le terrain. Donc très bon coup de pied hein, de l'ouvreur de Pessac. Donc il trouve une touche sur la ligne des 22. L'arbitre ramène un petit peu l'arbitre de touche de Pessac qui s'est un peu enflammé. Lancé pour Tom Tom. Donc Boubouche rentre à la place de Kiran. Entre Tom Tom et Pitou, ça part avec Mignon. Ça, je vois pas l'intérêt de ça. Il se trouve bien en seconde mi-temps. Il se trouve très très bien. Attention. Il essaie d'enfoncer. On écroule encore. On écroule encore. On va se faire sanctionner, je pense. Essai. Essai pour Pessac. Là, c'est dur. Là, le joueur de Pessac se trouve bien en seconde mi-temps. Ils ont résolu un peu tous les problèmes qu'ils avaient en première mi-temps de ballon tombé. Et ça joue pas mal. Ça joue pas mal. Ils se trouvent bien, ça arrive souvent à hauteur. Les gars plaqués relèvent juste le ballon. Et leur joueur arrive à hauteur et avance tout le temps. Donc ce qui n'est pas facile à défendre. Donc maintenant les gars, faut pas baisser la tête, hein, faut la relever puis essayer de faire au mieux. La transformation est réussie.
Donc nous allons passer à 33-5. 33, c'est normal, on est en Gironde. Alors ce serait bien que nous, on marque autant que nos départements, on serait à 79, ce serait pas dégueulasse. Donc 33-5 pour Pessac. Il reste à peu près 20 minutes de jeu. Allez, quelques changements. Il y a Thibaut qui rentre à nouveau, ainsi que Antoine, en remplacement de Pitou et de Pâté. Donc, l'arbitre a signalé en avant sur la réception de Kirikou. Donc, ce sera à nouveau une mêlée pour Pessac. Allez les gars, là faut tenir encore, faut y aller. Je me doute que ça soit dur. Mais faut rien lâcher, c'est pas le moment. Ballon gagné, ça part avec le 8. Oh bah j'ai ça, hein. 8 avec le demi de mêlée. Ballon pour Bressuire. Ballon pour Bressuire. Donc le soutien est arrivé sur le côté apparemment. Beben pour une belle touche. C'est bien fait sur la ligne des 5. À 4, Victor, à 4. Ouais, mais on n'aurait pas tous, on aurait fait ça, les gens, les blessés, les machins. Donc, remplacement à nouveau pour le Cob. Ménissé remplace Arthur. Valentin qui va se positionner en position derrière. Ça lance. Ah, un bon ballon. Alors, ça repart avec Armand. Armand, encore. Pour Beben. Keke. Keke bien pris. Max. Beben. Là, faut qu'il lâche. Le soutien est là. Voilà. Un peu haut, Tom Tom. Ça joue. Keke, ça avance encore. Soutien est là. Alors, signalé en touche. Là, je pourrais pas vous le dire, mais apparemment, s'il l'a signalé, c'est que derrière il y a Warcouche. De toute façon, il y avait très peu de place pour passer. Hein. Il y a... Ça doit être... Mignon, je pense, qu'a essayé de se faire la valise sur le côté. Mais ça s'est vite refermé. Fallait essayer. Remplacement à nouveau. Antoine rentre à la place d'Armand. Fabien. Mêlé pour Bressuire. Allez. Vous êtes en couple ? Donc mêlé sur la ligne des 15 de Pessac. Introduction pour Maxou. Allez les gars là. De l'honneur, de l'engagement. Ballon gagné. Sorti. Aïe aïe aïe. C'est dommage. C'est dommage. Un en avant. Allez Max. Un en avant. C'est tapé. Oh
Qu'est-ce que signale l'arbitre ? L'autre, c'est un magicien. Là, sur le coup, c'est vraiment un magicien. Bah bon, il a le mérite d'avoir couru jusqu'à la ligne, hein, donc c'est bien. Le rebond a été favorable donc à l'ailier de Pessac. Belle pointe de vitesse. Donc il a prolongé deux fois et a réussi à aplatir en premier dans notre un but. Bon, bah, c'est bien. Donc là pour l'instant nous sommes à 38-5 avant la transformation. Donc là il faut retrousser les manches, retourner au combat. On a 10 munitions, on les perd. Hein. Après la combinaison est là. Alex a du mal à contrôler le ballon, ça allait vite. Toujours plus facile de dire ce qu'il faut faire quand on est à ma place sur le terrain, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc la pénalité, la transformation pardon, n'est pas passée. Pour Pessac, il reste environ 10 minutes de jeu à peu près. Entre 10 minutes et un quart d'heure de jeu. Boucher, ballon derrière. Ça se trouve bien. Ça arrive. Bon. Ça joue encore. Ballon récupéré, Victor qui avance. Là, quelqu'un a pris le relais, alors ça doit être Beben, je crois. Beben a pris le relais. Keke qui va rechercher ses gros. Il avance. Ah là là, ballon tombé encore. Ballon tombé, dommage. Pessac qui repart sur le grand côté. Belle redoublée, mais avec une obstruction. Obstruction du 9-8 de Pessac. Il y aura donc pénalité, passage à vide. Il y aura donc pénalité pour Bressuire. Il y a des petits bobos à soigner. Au prochain déplacement, je vous ramène du synchro. Par contre, je vais arriver à la même chose. Tu n'auras pas de synchro. On est à peu près dans la même configuration du match qu'on avait fait donc à l'Aige Cap Ferré, où on avait bien tenu une mi-temps. Et après, par la suite, c'était un peu plus compliqué pour nous. Et ça me fait penser énormément au match du Cap Ferré. On sent que sur une mi-temps, on n'est pas loin des autres. Après, il nous manque un petit quelque chose qu'il va falloir travailler. Il y a JB qui sort pour Pessac. JB, mais il ressemble pas à une bouteille de whisky. Je sais pas pourquoi il l'appelle comme ça. Enfin bon. Beben, la touche sur les 40 mètres de Pessac. Sors. Allez, Max. Allez les gars, la tête haute là. La tête haute. Bien Victor.
petit manque de soutien en touche, mais ça s'est bien passé. Kéké. Bien. Ménissé. Eh ben. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Ménissé avait bien pris l'intervalle. Alors à qui va donner le ballon? Il va nous le donner. C'est dommage. La dernière passe était pas très bonne, mais c'est ça. C'est ce qu'il faut faire, les gars. Sur ces phases de jeu, on peut rivaliser avec ces équipes, hein, le Cap Ferré et Pessac. Par contre, bah, il faut faire ça pendant tout le match. C'est compliqué, mais il faut essayer. Donc remplacement sur blessure là, l'épaule a dû ramasser un tout petit peu là, quand vous voyez le maillot enroulé comme ça autour du bras. C'est l'épaule qui est touchée. Donc ballon pour l'introduction max dans les 22 de Pessac. Ballon est gagné. Sortie. Ah là 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 là. Il n'y a pas d'en avant. L'arbitre a considéré que c'était touché par le pied et non par les mains. Ça repart. Mauvaise passe. Qui sort en touche. Ça joue, bien pris Antoine, Antoine bien pris, faut que tu sortes, bien Antoine, bien Antoine. Ah, il y a un écran, il y a un écran involontaire. Allez Marc, ça porte, c'est bien. Donc oui, l'arbitre estime que c'est involontaire, donc il y aura mêlée à l'introduction de blessure. On va rentrer dans les 5 dernières minutes de jeu. 5, oui, à bientôt. Max. Ballon gagné, ça part. Là, c'était bienvenu au royaume du moche. Par contre, la touche était pour Bressuire. La touche était pour Bressuire, mais bon, la bête de touche. Bah, je pense que l'arbitre a compensé. Il a compensé parce que la touche était pour Bressuire, elle est revenue un peu en arrière parce que la pendant. Allez les gars là. Du sérieux dans les 5 dernières minutes. On essaye de relever ce défi pour les 5 minutes qui restent. En essayant de planter un petit essai. Mais là, on voit une belle équipe de Bessac. Hein. Ça joue sur leur individualité, ça joue collectif. Les mecs sont là, ça se trouve, c'est. Ça, on voit. Hein. Allez, Victor, allez, allez, allez. Touche réduite à nouveau.
lancé pour Tom Tom. Victor en direct sur Max. Max, Beben. Beben, Barnik. Barnik qui repique au centre. Ça avance, ça avance. Tom Tom au relais. Ça avance encore. En avant blanc. En avant blanc. L'arbitre l'a vu. Ce sera mêlé. Mêlé pour Bressuire. Arrêt du temps par l'arbitre. Un petit bobo. Je crois qu'il s'est fait électriser. Pas bien grave, ça va passer. Ah, apparemment, c'est les épaules du plus large de Pessac qui rentrent. C'est vrai. Allez, Max, à l'introduction. Victor, départ du 8. Bernic. Bernic, ça libère. Ça joue. Le plaqueur planche devant. Reviens, reviens, reviens. Donc là, le plaqueur sort pas du regroupement et gêne la sortie du ballon pour Bressuire. Donc pénalité pour Bressuire. Belle touche trouvée par Beben sur la ligne des 22. Allez les gars là. Un dernier coup de collier. Allez Polo. Pour essayer de, d'aller aplatir. Là on est vraiment dans les dernières minutes de jeu. Allez Polo, c'est rien, c'est rien. Il reste 3-4 minutes je pense à peu près. Allez. Avance-toi Victor, avance-toi. Il y a Paul qui se relève. Il n'y a pas de sauteur. C'était pas trop grave. Tom Tom se rapproche du ballon. Max le fond, Max le fond. Voilà, c'est peut-être ce qu'on aurait dû faire dès le départ ça. Ah merde. Bernic. Au large. Écarte. Écarte. Bernic qui revient un peu vers l'extérieur. Ah si, il l'a donné. Qui a trouvé Ben. Ben. Ménissé. Ménissé, le ballon. En avant. En avant. En avant. Et c'est la fin du match. C'est la fin du match ici à Pessac. Donc le COB s'incline 38-5. Alors le score est très lourd, mais on a vu une très belle équipe de Pessac en seconde période. Ils ont eu du mal à se trouver en première mi-temps. Et par contre sur la seconde mi-temps, ils sont très très bien trouvés. Donc on a posé une belle résistance. Malheureusement, on a fait beaucoup de trop d'erreurs sur l'ensemble du match hein, pour espérer quelque chose ou alors un score un peu moins sévère. Donc la victoire est largement méritée pour Pessac qui s'impose 38-5. Donc, le prochain match que nous allons transmettre, ce sera dans 2 semaines où nous allons nous déplacer à Pessac hein, également puisque le terrain du BEC, qui est le Bordeaux étudiant club, se situe à Pessac hein, dans la cité universitaire. Donc je vous remercie tous et donc tout le COB vous remercie d'avoir assisté à ce match. Et on vous dit à dans 15 jours et merci encore et allez COB. À bientôt.
au trio. Ça va continuer.